Alors, madame, messieurs, chers abonnés de la page, de la chaîne YouTube de la Fédération Congolaise de Football Association, nous continuons ce live qui a comme objectif, vous le savez, de vous faire vivre donc l'arrivée du premier gros contingent des Léopards de la RDC. On l'a annoncé incessamment, mais pour l'instant, le sélectionneur manager des Léopards de la RDC nous fait l'honneur, en tout cas, de répondre à quelques-unes de nos questions en ce jour où voilà, le staff affiche presque complet. On va l'avoir dans quelques instants, Sébastien Desarbres qui va nous rejoindre. Nous sommes toujours ici à Crystal Palace, en plein cœur de Douala, somptueux hôtel en tout cas, où les Léopards ont érigé leur quartier général. J'ai annoncé dans, il y a quelques instants, l'arrivée des joueurs. Oui, nous continuons à vous le rappeler. Juste un petit décalage de l'atterrissage de l'appareil qui ramène à son bord. En tout cas, ceux qui sont attendus aujourd'hui, mais pour l'instant, j'étais en train de dire que nous allons avoir les sélectionneurs managers. Sébastien Desarbres qui va nous rejoindre. Coach, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cette amitié. Merci, avec plaisir. Allez, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération Congolaise de Football. Oui. Impression après l'arrivée des autres membres du staff qui nous ont rejoints aujourd'hui ici à Douala. Oui, il y avait déjà quelques éléments qui nous avaient joueurs et staff hier. Ouais. Puis là, voilà, c'est la plus grosse délégation qui arrive cet après-midi. Notamment, le staff, on sera complet ce soir. Et puis les joueurs commencent à arriver avec une vingtaine de joueurs ce soir. Et puis, 7 joueurs demain. Donc, on va pouvoir commencer les entraînements demain après-midi au stade au complexe de Japoma. Et puis après, dérouler la préparation déjà de la première confrontation en amicale de mercredi. Et puis bien sûr, le match du Gabon dimanche 18 juin. Alors coach, on va revenir juste dans quelques instants avec le programme. Mais le choix de l'Ouganda, un pays que vous avez particulièrement connu, les Congolais se souviennent de cette CAN 2019 lorsque vous étiez de l'autre côté. Alors, pour vous, ça représente quoi cette rencontre ? Ben, nous, on est focus sur l'avancée de notre projet, comme je le dis depuis quelques temps. Ce match-là, il va autant servir pour préparer le match du Gabon que surtout pour découvrir et voir certains joueurs en situation, en prévision des futures échéances également. Parce que, comme je l'ai dit, on mène deux projets de front. Le premier, qui est de réaliser un exploit, parce qu'on était parti avec bien sûr 0 point dans cette qualification. Donc on va essayer de faire un exploit, de se qualifier à la CAN en Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr de continuer à s'améliorer, à structurer pour être voilà, un challenger très très ambitieux sur les prochaines échéances de la Coupe du Monde. L'Ouganda, après, l'opportunité faisant qu'on cherchait, nous, à faire un stage proche des conditions qu'on va trouver à Franceville. Le Cameroun a de très bonnes installations, terrain d'entraînement. Bien sûr, on va jouer sur le stade de Japoma qui avait accueilli la demi-finale de la CAN. Ouais, donc on est dans des conditions. Et puis l'Ouganda avait décidé de jouer l'Algérie à Douala, enfin à Japoma, donc il cherchait un match amical, donc ça se rencontrait, les deux objectifs se rencontraient bien. Je suis bien sûr très très content de jouer l'Ouganda parce que je vais revoir beaucoup de connaissances, mais voilà, le focus il est sur nous, l'amélioration. Ou sur ce match-là, de pouvoir donner la chance à certains de montrer ce qu'ils peuvent apporter à la sélection dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et puis on a bien sûr aussi en tête bien sûr la préparation de cette lutte dimanche. Voilà un peu. Alors, le point. Coach, on a deux petites questions. Je sais que vous n'avez tout le temps pas les temps avec nous, mais permettez quand même qu'on vous pose cette question. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous arrivez, la RDC qui partait des zéros, et là on a 4 points, le Congolais commence à espérer. Est-ce qu'il y a lieu d'y croire encore ou bien il faudra envisager d'autres perspectives dans l'avenir? Non, mathématiquement c'est possible. Donc bien sûr, on sait la tête de notre équipe, sait qu'on peut s'imposer sur les deux dernières confrontations. Parce qu'il ne reste pas qu'une, il reste aussi le Soudan qui est une belle équipe. Mais voilà, donc, et que
On est très, très motivé et qu'on a beaucoup, mais il faut aussi savoir faire preuve d'humilité, savoir aussi qu'on a beaucoup de travail pour être très, très performant et d'être dans les 5 meilleures équipes africaines, ce qui est vraiment l'ambition à terme, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas, c'est clair. Mais bon, on travaille pour restructurer, régénérer, comme vous l'avez vu, l'effectif, en amener de nouvelles fraîcheurs. On a encore réduit la moyenne d'âge, comme je l'avais annoncé sur ma première, première conférence de presse. Donc il y a un travail d'organisationnel. On a une équipe qui travaille. Donc on y va tranquillement. Il faut pas brûler les étapes, mais on est ambitieux. Les conditions vous permettent, sans vous interrompre, les conditions vous permettent d'aller au bout de votre politique. Oui, bien sûr. Si moi je suis là, c'est parce que j'y crois. Ouais. Moi, je suis avant tout un challenger. J'ai des ambitions pour la RDC et tout. Oui, bien sûr, tout est mis en œuvre pour ça. On le voit dans les conditions dans lesquelles on est mis aujourd'hui. Donc, non, c'est un travail de longue haleine, bien sûr, hein, parce que il faut. Mais on est là pour ça. On est là pour ça. Mon staff m'aide aussi. On a le ministère et le ministre des Sports qui nous ont aussi également beaucoup poussé et qui nous encourage beaucoup. Et puis également la fédération. Alors, vous savez que dans un contexte d'instabilité depuis que je suis arrivé, entre le gouvernement, le ministre, entre la fédération, ça n'enlève aucunement notre énergie de faire avancer le football congolais, parce que nous, ce qui nous importe, c'est de voilà, qu'on reconnaisse une équipe de la RDC à la hauteur du potentiel du football qu'il y a dans ce pays. Voilà, donc on travaille pour ça et on espère rendre heureux très rapidement les fans, et on espère que ça sera sur le match du Gabon. Et puis, je ne peux pas terminer l'interview sans penser au football local, parce que il y a aussi à un moment donné une différente orientation qui va être donnée à ce championnat. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle au final, parce qu'on devrait... Est-ce que ça ne vous handicape pas dans l'exercice de votre travail de compter sur des talents locaux? Mais faute de championnat, aujourd'hui, on ne sait pas avoir ces joueurs-là. C'est surtout sur le fait qu'on les a, les joueurs locaux. En fait, c'est des joueurs qui se dirigent aujourd'hui vers la Tanzanie, qui se dirigent vers le Maroc, qui se dirigent vers des pays qui font qu'ils vont monnayer leur talent ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de championnat. Il faut bien qu'ils vivent et qu'ils fassent vivre leur famille. Mais c'est des joueurs à terme qui devraient rester au Congo, justement, pour élever le niveau du championnat. Et c'est ce que j'espère sur les prochaines années. En tout cas, il y a une feuille de route qui est tracée à la fédération, qu'on m'a confirmé par rapport au football local. Ça travaille. Donc voilà, après, c'est le temps au temps, mais je trouve que par rapport à ce qu'on met en place, on avance sur les bases de la feuille de route qu'on s'était fixée. Et bien sûr qu'il y a un match important contre le Gabon. Si on va à la prochaine CAN, et ben ça va encore nous donner un peu plus d'accélération dans notre projet sportif. Mais en tout cas, on essaye d'améliorer les choses. Les joueurs y participent grandement, et tout le monde, parce que comme vous le lisez sur certaines pancartes, seul on ne peut rien faire. Hein, je veux dire, c'est une évidence. À un moment donné, on a besoin de tout le monde, et tout le monde a sa place pour faire évoluer les choses. Coach, je vous remercie en tout cas de ce temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Allez, merci chers amis, nous continuons ce live. Je vous le rappelle que c'était là Sébastien de Sarbre, sélectionneur manager des Léopards de la RDC, qui répondait à quelques-unes de nos questions. Je ne l'oubliez surtout pas que nous sommes là, c'est aussi et surtout pour vous faire vivre donc l'arrivée des joueurs. Ils sont attendus, le coach venait tout à l'heure en off de me le confirmer. De me confirmer donc que c'est dans quelques instants que les joueurs vont être là, le premier contingent. En tout cas, je vous ai cité le nom de ceux qui sont attendus et ceux qui vont venir. Alors, n'hésitez surtout pas à partager le lien de ce live. Ça nous permettra, ça permettra à tout le monde d'être informé et surtout d'avoir, au-delà de l'avis du coach,
mais également les impressions des joueurs pour ce match, surtout contre le Gabon. Rencontre est prévue à Franceville, donc le 18 juin prochain à partir de 19h. Rencontre importante qu'il ne faut surtout pas perdre avant de jouer la dernière rencontre. Ça sera le Lubumbashi pour clôturer avec ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors, donc, oui, on me dit, ça va être dans très très bientôt. Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants, le temps d'avoir des précisions sur les minutes ou la minute de l'arrivée de nos fauves qu'on attend impatiemment pour rejoindre donc la tanière. Nous sommes ici à Crystal Palace, toujours en plein cœur de la ville de Douala. Quartier plutôt huppé, un cadre plutôt beau, en tout cas pour une grande équipe qui prépare des échéances plutôt importantes.